dans les grands oubliés des sorties de cette année 2021, on retrouve Grime, un jeu qui n'a pas trop fait parler de lui, pourtant il a des atouts, et pas qu'un, notamment au niveau de la tatane, si vous aimez ça, mais aussi au niveau de l'exploration, si vous aimez ça, et également sur sa petite partie RPG qui est pas désagréable. Jeter un œil à ce Grime dont personne n'a parlé, absolument personne. Âme déchue qui essaye de revenir dans le monde réel, ou enfant d'âme maudite, allez savoir. On se demande un petit peu ce qu'on fout là, mais c'est surtout l'ambiance qui est très glauque, qui est très sympathique en fait. Et vous allez voir que le jeu sait manier des choses déjà connues, mais de façon vachement agréable je trouve. Alors, bon à noter, oui le dash c'est très important dans ce jeu.
pas pour que vous ayez des affaires plus propres, plus blanches et plus brillantes. Oh non! Mais tout simplement parce qu'il va falloir s'en servir très souvent. Il y a une autre chose importante, c'est le contre. Oui, le contre va vous aider notamment à neutraliser certains ennemis. Il aidera également à récupérer de la santé plus loin, on verra. Comment ça, pour une fois, Monsieur K a fait une partie avant d'enregistrer le stream? Ouais. Ouais, mais ça n'a pas été un grand succès. Voilà, touche-moi pas, t'as pas les affaires, Navi. Hop, pas de les affaires. Alors du coup, j'ai pas lu ce qui est écrit, mais c'est pas grave. Oh, pardon. Vous me direz, mais Monsieur K, tu fais un truc exploration, machin, RPG et tout, il n'y a pas d'armes. Non, il n'y a pas d'armes au début. Au début. Donc après avoir neutralisé un ennemi avec ce contre, vous pouvez appuyer sur une autre gâchette qui est juste en dessous pour essayer de récupérer l'énergie qu'il lâche et vous l'attribuer. C'est peut-être un détail pour vous, hein, c'est ça? Ouais. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Encore plus même. Non, encore plus. Et du coup, ça vous aidera si vous êtes aussi bon que moi à récupérer un petit peu d'autonomie supplémentaire pour espérer voir plus loin dans le jeu. Parce que oui, on va se perdre un petit peu dans les dédales du titre. Qui manquera pas de vous balader à droite, à gauche, vous faire voir des endroits qui sont étrangement pas accessibles tout de suite, mais que plus tard vous pourrez faire votre. Alors, tout au long du périple, vous trouverez des hôtels qui vous permettront d'être un peu votre garage pour pouvoir améliorer votre perso, notamment au niveau de ses attributs. C'est la petite partie RPG du titre. Mais pas que, il y aura également des objets à récupérer, et puis sans doute des trucs passifs, je pense. On va voir ça plus loin en explorant. J'ai pas réellement avancé dans le jeu à proprement parler. Et en plus, ça sert de checkpoint, donc autant pas les rater. Allez voir en dessous. Curiosité, tout ça. J'ai pas l'habitude du dash encore. Alors au début on n'identifie pas trop ce qui est offensif de ce qui est neutre comme ça là. C'est une habitude à avoir, c'est la partie découverte du jeu. Ça sent le marchand du coin pour faire une version courte. Trop tôt. Pas lui faire grand chose pour l'instant, c'est pas très drôle. On va le laisser s'énerver tout seul. Hein.
Oui, j'ai bien dit pour l'instant parce que n'allez pas croire. Donc là, j'ai remonté dans mon énergie en mettant un petit coup de gâchette droite après l'avoir neutralisé. Ah, ça lui fait que dalle, donc autant l'éviter. On va aller jeter un petit œil. Alors, équipement. Différentes parties. Ça, je sais pas ce que c'est. D'accord, faut que je me réincarne progressivement, apparemment. Alors, j'avoue que je sais pas trop comment ça marche. On va l'équiper, mais ça s'équipe sur la croix. On va le mettre là en attendant. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non. On va faire un petit tour des menus tant qu'à faire. Donc là, on a un vestiaire. Et on a notre map qui pour l'instant est... Comment dire? Ah ouais, non, c'est pas terrible, non, les gars. Ouais, même quand on dézoome, on n'y voit rien. Apparemment, les maps, faut les trouver ou les acheter. Donc ça c'est mon attaque normale, ça c'est mon attaque de bourrinos, ok. Oh la baffe qui m'a mis. Bouge pas, j'arrive. Alors j'ai pas compris parce que j'ai appuyé pour essayer de récupérer la santé et ça a pas fonctionné, donc il doit y avoir une petite manip qu'il faut piger avant de faire n'importe quoi comme moi. Ah, ça va mieux. Moi, j'arrive de là-bas. Il y a mon hôtel et il y a ma pomme. Ok, je peux explorer tout à droite. On... Bon, c'est pas grave. Ça doit s'entrecroiser, j'imagine. On y voit bien mieux avec cette map, en tout cas. On peut placer des marqueurs, ce qui n'est pas désagréable. Ok. Donc la barre bleue, c'est ma barre de force, et elle diminue quand je fais un nombre d'actions, ce qui me limite en fait. Donc les bourrins, passez votre chemin. Merde. Oh, cet échec. Oui, alors c'est pour ça que je disais, c'est un peu le Dark Soul du... Le Dark Soul du Metroid-like. Parce que y a une précision à avoir dans les contres qu'on trouve assez rarement dans ces jeux. Et qui va pas manquer de me porter préjudice, j'imagine. Non, ça s'ouvre pas, bonhomme. C'est assez marrant, je vais faire mon vieux, mais... Les attaques rouges ne peuvent pas être absorbées, ok. Je ferai mon vieux après. Des deux, ça aurait dû être lui qui mourrait, hein. Moi, je veux voir le replay là. Action. Et donc je disais, bah, je vais pouvoir m'exprimer du coup.
ça rappelle fortement God pour les vieux. Oui, God. Le vieux jeu des bitmap brothers. À moi, quand il y a des plateformes comme ça, du glauque, avec juste un son d'ambiance pour vous laisser imaginer qu'il y a un bonus là-dessous. C'est obligé. Forcément, ça me rappelle mes déambulations dans Gods, mais en plus souple. Oui, le jeu avait pas réputation d'être très souple à l'époque. Je suis allé voir dans l'inventaire quand même à quoi ça sert tout ce bousin. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pour se ressusciter. Ok. Et ça, c'est un autre équipement. En arme de G. Ok. Tout est ok. Alors c'est assez rigolo de devoir alterner les phases offensives et contre, parce que ça vous force un petit peu à avancer d'une manière très mesurée. Et effectivement, les gens qui souhaitaient y aller comme des bourrins vont être un petit peu déçus. C'est ça. Jusqu'ici tout va bien. Je crois que je vais pas me faire que des amis dans ce jeu. Faut vraiment le placer au bon moment, ce petit contre. Sinon, il peut être gênant. Alors, c'est rigolo ce design très minéral, parce que du coup il y a des bestioles qui sont qui se servent de cette astuce pour se fondre dans le décor, et on peut passer à côté sans trop s'en rendre compte, ça arrive. La souplesse du perso est vachement agréable. Ça doit être moi qui suis mort. Voilà. Et ça, c'est mon pote. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur le B. Grrr, c'était difficile. Alors, quand vous récupérez votre corps, vous récupérez la moitié des attributs que vous aviez. Ça peut être utile quand même. Est-ce qu'on descend ou on monte? On monte. On aurait dû descendre.
Alors c'est un jeu qui va demander du temps. Il faut y aller vraiment paisible. Qu'est-ce que c'est ça? On va l'équiper pour voir, mais je vois pas à quoi ça sert. On fera des tests en route. Ça doit être une protec. Ok. D'abord, gros con. Alors c'est assez fourbe quand même cette histoire de barre de force. Parce qu'il faut faire en permanence gaffe à beaucoup de choses. Voilà. Faut faire en permanence gaffe à pas mal de choses. Pour éviter d'avoir des gros soucis. Ah, j'ai envie de jouer au couillon. Celui-là, il est indestructible, ok. On fait quoi? On fait comment? Il y en a un qui me ramène? Ah, par ce côté, ça marche. Bizarre. Très bizarre. Alors, il y a peut-être des bugs dans le jeu, je sais pas. Merde, je me suis bourré de gâchette! C'est un coup à prendre au début. Deuxième arme, ok. Voyons voir, goûtons voir. Je vois pas de deuxième arme, les amis, mais bon, c'est pas grave, on a le droit d'y croire. On peut espérer, on peut être positif dans la vie. Même dans un univers dark et glauque. Oui, je vous le dis. Coucou. Ouais. Classique. Petit coquin, là. Je sais pas trop où je suis sur. Oh, ma map, il y a du monde. On va peut-être essayer nos armes un peu, ça serait bien. Alors, je sais pas ce que ça fait. J'appuie sur la croix à droite, ça a rien. Merde, il est en train de me latter la gueule. On peut pas tirer en sautant, alors ça, c'est pathétique. Passage secret. C'est plutôt paisible hein, comme balade. Je sais pas où je suis là. Voilà, c'est un nouvel endroit. Qu'est-ce que c'est?
Blood Metal Splinter. D'accord, il faut que je trouve un gars qui me manufacture ça comme une arme. D'accord. On va regarder les autres bonus. Ça, je sais pas à quoi ça sert. D'accord, ça réduit les dommages de manière temporaire. Et ça, c'est des grenades. Voilà qui pourrait être utile. Oh, j'ai des nouveaux coucous. Ok, il m'a dit quel bouton pour changer? Left. J'aime bien mon truc de bourrin. Oui, bon, le jeu l'est, hein, donc je vais m'adapter. Graphiquement, c'est particulier. On aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que je suis dans le camp des gens qui aiment plutôt. Est-ce que j'ai des points à claquer un petit peu? On va en profiter, hein. Pas tout avoir dans la vie, je sais. D'accord, on peut augmenter ça aussi. On l'aura fait, hein. Alors, checkpoint, nous voilà équipés. Regardez comme je suis beau. Je peux frapper tout le monde maintenant avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'entrain et beaucoup plus de côté festif. Pas grave, on a vu pire dans la vie. Alors Grime vous est proposé à un prix qui est pas dégueu, hein, c'est pas trop cher. Je crois qu'il a moins de 20 balles. Et je comprends pas qu'on n'ait pas parlé de ce jeu plus, parce qu'il est, il est plutôt bien foutu. Alors faut que je me rappelle que quand je saute et je fais ça, voilà, je reste en l'air. Ça peut être une aide. Comment je passe? Je sais pas. Est-ce que ces fameuses choses explosives pourraient me sauver la vie? On va l'essayer. Que dalle. Ça aurait été trop bien. Bon, va falloir faire des whips bien comme il faut. Il y en a deux à faire, suffit de les placer à temps. Merde. Je me suis fait défoncer la couette. Ouais, moi je retente, je suis plein de positifs. Donc il y a un truc que j'ai pas compris. En fait, le strafe marche pas. Le strafe m'empêche de contrer la main qui est là. Il fallait passer comme un bourrin.
comme neuf. Là, ça va être plus compliqué quand même. Simple. Là-haut, non, ça ne sera pas trop possible. Une masse, pourquoi pas? C'est proposé tellement gentiment. Plutôt là. Oui, j'aime bien les trucs qui frappent. On va pas se mentir. Ce bestiaire. Moi, j'aime beaucoup quand même ce style de jeu, quoi. C'est. Ce design, c'est très. Ouais, période. Design européen, période fin 80, début 90. Donc là, on a la version 2021. Et c'est plutôt sympa. L'ambiance musicale est particulièrement réussie, elle, par contre. Y a pas de discussion possible. C'est quoi cette tête de fesse là? J'aurai pas eu le temps de s'exprimer. Alors tu peux aller en face. Pour rien, en dessous. C'est une chute. Mais tout indique qu'il faudrait plutôt monter, non? Plutôt c'est le chien, toujours. Ouais, mais faut aller en bas. Parce que t'as pas le choix, bonhomme. Ok, je pense que je vais avoir un copain sympa pour exprimer ma rage. Suis-je rageux? Les gars, restez pas là, vous allez voir du grabuge, je veux dire. Parce que c'est pour les grands ici, il va falloir bouger. Circulez, circulez s'il vous plaît. Alors il me laisse une salle qui va pas être... Ouais, ça sent la salle de baston ça. Bon, on y va, je vous dis au revoir les amis. Hein, si on se revoit pas, c'est que je suis mort et que vous ferez peut-être mieux que moi dans Grime en venant essayer ce jeu. Mais là, j'ai pas confiance dans ce qui va m'arriver. Bonjour! Y'a quelqu'un? Eh, petite tête. Oh! Oh là là, j'aurais pas dû. Non! Alors faut alterner, des fois il y a des trucs rouges, des fois il y a des trucs... Oh. J'y arrive pas. Si, c'est bon. Il y a encore l'autre côté, vous me direz. On va peut-être se retrouver plus tôt que prévu, les amis. Ah, faut que je passe là. En faisant une roulade et en me barrant vite, oui. Oh putain! Oh comme il me torche! Alors il y a tout un apprentissage à faire. Ça va être terrible pour moi.
Les amis, je vous avais prévenu, ce jeu a un petit côté saoul sur les bords. Et en plus, mon checkpoint est super loin. Donc, on se retrouvera peut-être plus tard pour explorer davantage le jeu. En tout cas, Grime, passez du temps à explorer des univers souterrains, à découvrir de nouvelles bestioles pour se friter et à seper et looter un petit chouï. Si c'est ce que vous attendez, vous aurez tout servi sur un plateau d'argent. Allez, playlist, playlist, bouton d'abonnement. Moi, je vais me faire un petit barbecue par là, tranquille, avec mes nouveaux potes.